nous sommes les Ocarinites et aujourd'hui on se dirige vers Charbourg parce qu'il y avait encore un truc à montrer là-bas finalement. Moi je joue à Pokémon Unite comme vous pouvez le constater. Donc rendez-vous au musée, si vous avez passé plein de temps dans le souterrain, vous avez probablement trouvé des fossiles. Et du coup, il faut parler aux scientifiques. Voilà, bonjour, j'ai titillé des fossiles de Pokémon, vous n'auriez pas un fossile pour moi, je pourrais le transformer en Pokémon. Oui, voilà. Je vais donc procéder à la restauration de ce fossile, pourriez-vous attendre un instant, ça sera pas long. Du coup là il faut sortir et rentrer. Moi j'ai déjà restauré mes fossiles en fait. Mais ce qu'il faut sachant savoir... Sachant que ouais, il y a des fossiles, ils sont... Exclusifs aux versions. Donc en fait voilà. Dinoclier, il y a que moi qui peux l'avoir, je crois. Oui. Et toi, tu peux avoir que l'autre, Charcos. Qui s'appelle pas Charcos, je crois. Mais... Ce Pokémon a pour habitude de polir son visage rigide en le frottant contre un tronc d'un grand arbre. Il craint. Ouais, il est mignon quand même, Dinoclier. Ça va. Moi, les descriptions, c'était ce Pokémon vivait dans la jungle il y a des millions d'années. Vivait dans la jungle. Ah oui, c'est vrai que j'ai 1 milliard de fossiles armure moi, donc. Mais pareil, je prendrais pas Dinoclier dans mon équipe parce que j'ai vraiment très peur que le Pokémon soit pénible à jouer pendant l'aventure. Je sais pas trop en fait. Puis comme je vais avoir Stylix. Ah, c'est Kranidos, voilà. Oui. Comme je vais avoir Stylix qui est, j'ai envie de dire, presque pareil. C'est pareil. Hein. Je préfère Stylix. On l'a ressuscité à partir d'un fossile qui ressemblait à une balle de fer. Il met ses proies KO à coups de tête. Ouais, mais non, mais en plus, faut savoir après que voilà, Kranidos, il a beaucoup de défense. Non. Il a beaucoup d'attaques, mais vraiment beaucoup. Et Dinoclier a beaucoup de défense, en revanche. Oui, ah oui, mes boîtes ne sont toujours pas rangées. Oh là là, ça range pas. Bah en tout cas, on va pouvoir continuer notre aventure. Je pense que là, on a fait le tour de tout ce qu'il y avait d'intéressant à montrer, finalement. Je sais pas si t'as envie de faire un... Non, je veux pas aller dans le grand souterrain. Je sais pas si t'as envie de faire un concours pour rigoler, ou ouais, si tu veux continuer l'aventure. Je me dis plus tard. Alors. Moi aussi, je pense plus tard. Nous sommes pas encore au paroxysme de notre puissance de concours, tu vois. Oui, c'est vrai, ça. On ira plus tard, alors. Et voilà, nous sommes de retour à Union Police. Oui, on va déjà quitter cette ville. Parce que on doit partir par là. Salut, est-ce que tu veux un œuf de Pokémon? Il a été trouvé à la garderie de Bonville, tu veux t'en occuper? Oui. Voici. Ah, c'est gentil, merci. Un œuf a rejoint votre équipe. Pokémon sortira de cet œuf si tu te mets dans ton équipe et que tu te promènes avec. Veille à ce qu'il y ait au moins un Pokémon en forme dans ton équipe. Si mes souvenirs sont bons, c'est le professeur Orm de Johto qui a dit ça lors d'un co... Je peux lui... Lors d'un... D'un colloque. Ah. Si tout va bien, en sortant, tu tomberas sur les ruines d'une tour en pierre. Elle est entourée de mystères, cela m'intrigue beaucoup. Eh oui. Ah bah ça m'étonne pas de la part de Samus, hein. Les ruines, tout ça, ça la connaît. Oh, regarde, un éleveur. On va aller l'attaquer. Il va nous montrer des superbes Pokémon de type rose bouton. Oh bah voilà Richard. Tu Mais vois ouais, voilà. Dommage qu'il n'y ait pas Richard le Richard. Incroyable. Et alors, vous êtes niveau combien, vous? Toujours 16, ok. Ça n'a pas été amélioré avec le temps. Allez, un petit métronome là. Voilà, on commence. On monte, c'est qui le flamme ultime? Et ça a raté. Ouah, ah, il va faire métronome lui aussi, ou il va faire flamme ultime là? Non, il fait métronome, ok, ça va. Allez, combat de métronome là. On fait un combat de métronome, Manzai. C'est bon. Allez, hop, demi-tour là. C'est surpuissant. Vous amusez bien, j'ai l'impression. Oui, ça va. Tu devrais faire un combat de métronome avec Sylph. Ah, j'avoue, j'aurais pu en fait. Voilà, hop, maintenant tu peux plus me tuer en un coup. Qu'est-ce qu'il y a? Métronome, il fait, c'est beau. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Il fait Mach Punch. Ah. Ça fait rien comme dégâts. Attends, on va récupérer les points de vie qu'il m'a fait perdre quand même, parce que c'est pas gentil, dis donc. Allez, hop, on rend les points de vie qu'on fait perdre aux gens, là. C'est pas sympa. Il refait métronome, j'espère. Tu refais métronome. Yes. Il refait métronome. Yes. Ah, il fait bulle d'eau, là. Oh, ah, ça rigole moins. Attention. Alors, combien on va perdre, là? 3. Ouais, il s'améliore. C'est meilleur. Ah, tu vois, avec Richard, on s'entend bien. Ça va. C'était sympa. Bon, ce n'était que le premier, hein, donc... Alors... Ah, c'est Pichu, maintenant. Oh, ah, Valfrey, il veut apprendre tranche, trop bien. Ouais, on va continuer le combat de métronome, quand même. Parce que tu penses qu'il va encore faire métronome? Non, bah non, Pichu, ça fait pas métronome. Pichu, c'est trop sérieux.
ça veut gagner tout ça, tu vois. Fatal Food, Frode Frimousse là. Non, non, pas Frode Frimousse. Oh non, pas Frode Frimousse. Mais oui, mais Frode Frimousse est méchant. Frode Frimousse est méchant quand même. Fallait pas faire Frode Frimousse. Il est trop mignon, Pichu, quand même. Mais je te dis, il veut gagner. Voilà, mais c'est ça le problème des Pichu. C'est des tryharders, ils veulent pas qu'on rigole et qu'on fasse métronome. Mais regarde, elle voulait pas que tu t'en fasses, alors elle s'est soignée. Tryharder, là, de assurance, voilà. Paf. Oh, mais ça fait super, mais non. Oh là 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 là. Ah, tu vois, il était prêt, il mais était non, mais prêt. Tu vois, c'est un gros tryharder, hein, Pichu. Y a pas de souci. Pichu, le tryharder. Et là, il a fait, ok, c'est bon, t'arrêtes pas de guérir, moi j'en ai marre. Hein. Ah, voilà, et là, c'est un coup final. Et la glace de soin. Malédiction, voilà. Alors qu'il fait que des attaques spéciales, c'est bien. Oui, mais comme ça, t'es plus fort. Bon, alors du coup, ça demande un nouveau métronome, évidemment. Évidemment, on a... Et puis on triche comme pas possible, c'est beau. Ah, il a pas apprécié le la montée de défense, ça. C'est... Non, on fait pas ça. Quand on ne triche pas comme ça, là, pas la montée de défense, tu vois. Ah oui, c'est vrai qu'on est plus lent, du coup, à cause de la malédiction. Double pied. Si t'es paralysé, c'est trop drôle. Ah, mais on va être paralysé. Statique, ça marche à 100%. Ça va. Oh non, oh, je vais pas dire que je suis déçu parce que... Ah voilà quand même. Mais oui, voilà quand même. Quand même. Un éleveur sans rose bouton n'est pas un éleveur, voyons. Allez, on continue là. Ah oui, c'est vrai, bah oui, du coup je suis trop lent. Allez. Mais non, pas Damoclès. Pas Damoclès, c'est la pire attaque du jeu. Oh là là. Oh, c'était pas mal quand même comme Damoclès, grâce à la malédiction. Mais ça fait mal. Ça fait mal à mon Pokémon, à moi. Bah peut-être pas. Ah, attends. Ah ben non. Parce que t'as garde magique. Mais c'est trop bien, garde magique. Mais oui. Ah non, mais garde magique, c'est trop bien. Tout va bien. J'avoue que je l'ai jamais joué avec Melo, mais... Ah, c'est pas l'endroit où il y a les Goopix et les Caninos si on insère notre sauvegarde... Oh. T'es une gentille ou une méchante? T'as l'air d'être gentille, tu te balades avec un Castorneau. Bah oui, y a, on s'entraîne avec Castorneau afin de pouvoir participer au super show concours. Bonne chance. Eux aussi, ils veulent revenir plus tard. Un pot de miel. C'est vrai qu'il faudrait que je fasse le truc de miel là pour avoir... Oh, j'aimerais bien le pot de miel aussi, mais... Comment il s'appelle déjà? Oh, il y a déjà les Castorneaux qui sont sortis là, ça y est, c'est bon, c'est fini. Il semblerait. Alors, tu veux... Oh non, mais... Ah non, c'est bon, il fait pas le combat. Est-ce que... Ah mais oui, parce que lui, il se bat que le matin. C'est vrai? Oui. Il est gentil, du coup. Bah, il est gentil si c'est pas le matin. Ouais, ça va, ok. Ouais, moi, je vais faire le combat duo, là. Combat duo. Ensemble, c'est pour ça qu'on est si fortes. On va vous croquer comme des petits bonbons. Combat de métronome. Oh non, mais t'es attendu au métronome, du coup? Oui. Oh, ça va être incroyable. Ça va être beau, là. Oh, c'est Amy. C'est ah, et puis en plus, il y a Manzé. Et Mime Junior, il peut avoir métronome tous les deux là. Amy et Lynn, attention. Let's go. Oh là là, il va être incroyable ton combat. Ah bah oui, bien sûr. On va admirer le paysage. Métronome. Let's go les amis. Let's go. Vous êtes les meilleurs tous les deux. Là, vous êtes l'élite de ma non, team. Il fait le destructeur. Oh là là. Non mais moi je savais que si c'était un... Ah oh, et puis il copie. Ah c'est beau. Non, il copie le destructeur. Ah là par contre pour toi ça va pas. Ah non, là c'est... Oh, le combat sera fini avant que le vœu destructeur tu sais pas, hein, tu sais pas. Bang Sonic là. Bang Sonic. Oh là là. Ah, ça touche aussi ton Pokémon. Ah, mince. Eh mais non, mais Manzai là. On avait dit pas ça. On avait dit combat de métronome. Oh là là, insupportable les gens comme ça, hein. On fait combat métronome et lui il fait n'importe quoi là. Éclat magique. Ah voilà, ça c'est bien. Enfin une attaque fait. Oh non, on va le frais. Oh, il a tanké ça comme un chef, t'as vu ça? Bon bah voilà, allez, on s'est bien amusé, merci. Lynn et Amy. Amy. Oh ouais. Non, elle pleure. Mais oui, mais... T'as voulu faire vœu destructeur, ça fait peur quand même. C'est une attaque de Jirachi. Comment oses-tu copier Dora? Comment oses-tu? Comment peux-tu oser?
J'avoue, je sais même pas si on peut vous réaffronter ou... Bah oui, si. Si on peut. Parce que... Ah, elles sont pas prêtes à se rebattre. Le président t'a admise dans le club, hein, j'en étais sûre. Je suis si heureuse de voir le fan club Pokémon s'agrandir. Voilà un cadeau de bienvenue. Oh, c'est gentil. D'accord. Donc là, on a droit à des baies, mais pour... Ah, bah oui, mais oui, non, mais quand j'ai vu l'arbre, je me disais que ça m'était familier. Ça, c'est le truc à planter, là, donc... Ça, c'est obligé, je plante. Enfin, pas ici, parce que c'est impossible de me souvenir que j'aurais planté des choses ici, mais... Mais là, clairement, je plante des baies, mais pour partout, maintenant. Est-ce que tu veux affronter Madame Pikachu ou pas? Ah ouais, ouais, je me rappelle d'elle, hein. Elle m'a marqué un peu. Bonjour, je suis un Pokémon. C'est rigolo parce que dans le jeu de base, elle avait vraiment le sprite de Pikachu. Oui. Du coup, bah tu pouvais parler à Pikachu, du coup, alors que bon, bah maintenant on voit quand même que c'est un costume. Le Poké-enfant. Oh, mais oui, du coup, on affronte un Pikachu. Pikachu qui parle. On joue vraiment un jeu 4G. Pikachu, Mélofée, un sécateur. Ah, j'avoue, là. Hein. Non. Tu sais que Mélofée, c'est la mascotte. Ça... Et non, il a fait tout baiser, là. Qu'est-ce qu'il a fait? J'avoue. Bon, je ne sais pas. Je veux pas qu'on fasse le combat de métronome, là. Je suis tellement en colère. Bah, oh là là. Oh là là. Non, ça va, en fait. Je me suis permis de ne pas t'attendre parce que mon pauvre insécateur est tellement mal en point que... Ouais, je comprends. Je préfère... Je vais changer de Pokémon. Voilà. Ouais, bon, en fait, surtout, c'est pour faire boule armure. On va changer. Il est no fun. On n'a plus de gentil Maïté pour nous soigner. Bon, allez, si, on en fait un dernier. Ah, de toute façon, il te charme. Mais en fait, c'est un Pichu qui vient d'évoluer, vu ses attaques. Allez, j'avoue. Bon, non, mais après, elle veut pas se battre, aussi. Elle te regarde pour savoir quoi faire. Bon, allez. Oh, Krako, tiens quelque chose, une baie pangar. Merci, Krako. Où est-ce qu'il a trouvé ça? Tu ne sais pas. Oh, bien joué. Il ne peut rien faire contre un Pokémon fée. Châtiment. La fée fantôme. Faut pas détruire leur rêve comme ça, par contre. Pauvre petite fille. Et par contre, elle a pas d'argent. Bon, bah, il y a quoi ici? Tu voulais voler l'argent de cette petite fille? Ah, capsule précision plus de l'argent, voilà. Oui, c'est oui. Bon, c'est bon. Ouais. Non, pas de soucis. On a reçu de l'argent. C'est très bien. Oh non. Oh, une éleveuse. Oh non, tu vas pas me bloquer là. C'est qui te bloque? Magnéti. Voilà, Liv, c'est bon. Gratte le sol, mais qu'est-ce que tu fais? Il fait un fond. Elle fait un cri de guerre. Non mais tu sais, Liv Shonen, tout ça. Attends. Tu veux affronter une éleveuse? Attends, elle a peut-être un rose bouton. Je mets Liv en première parce que comme... Ah bah tiens, on a trouvé le... Attends. La tour de pierre en ruine, c'est pour Spiritomb, ça. Voilà, c'est bon. Ok, ok. De toute façon, Liv est à fond, là, elle me l'a dit. Et tu sais, Shonen, Liv, hein. Oui. Si ça ne te dérange pas, j'aimerais bien me battre. Oh bah Liv, elle est prête. Ah ouais, non mais là, y a pas de... Là, on ralentit pas, ici. Waouh. Oh, les yeux. Waouh. Elle est à fond. Y a pas le temps, Liv, elle est en mode, ok, moi, profite, c'est bon, ok, hop. Très bien, et on va faire... allez, au vampi baiser, là. Hop, c'est bon. Si tu les one-shot, ça serait énorme, mais tu vas jamais les one-shot. C'est dommage. Et si c'était un garde-voir, tu serais one-shot. Mais... Malheureusement, c'est pas un garde-voir. Encore ? Bah, c'est très bien, on fait que ça, de toute façon. On n'a pas le temps. Nous, on fait que des attaques. Liv, elle fait que attaquer. Je sais pas faire autre chose. Moi, j'ai été rendu confuse. Faut attaquer. Oui, c'est bon. Pas de problème. Voilà, tu as oh, coup critique! Tu as tué Monsieur Mime, là, c'est bon, bravo, félicitations. Ah, maintenant c'est Mélo! Oh. Je veux quand même changer de... Moi, je l'avais déjà fait évoluer à ce niveau-là, hein, Mademoiselle Lesbos. Oui, mais elle prend son temps. Elle a juste fait un combat, elle a gagné, c'est bon. J'avoue, c'est incroyable. Tu crois que tu peux endormir Leaf alors qu'elle est à fond et qu'elle gratte le sol? Elle gratte le sol. Bon allez, la Giro Ball, ça tue un mélo quand même. Ah bah non. C'est beaucoup plus rapide que lui. Non mais Giro Ball, ça sert à rien. Fais une sieste, Krako. Krako. Junior, pardon. Oui, c'est Krako Junior pour l'instant. Faut pas oublier, hein. Il n'y a pas écrit le JR, mais... C'est parce que c'est pénible de changer de nom à chaque fois. Ah, Krako, il fuit le combat, là. Oh là 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 là. Allez, Galaga.
Oh mais faut pas faire voix enjôleuse sur les Galaga. Ah oui, Draco souffle, c'est bien ça. Je vais faire ça. J'ai cru que tu l'avais vraiment. Je t'ai pas vu descendre, alors je me suis dit, mais non, le pas vraiment pour de vrai. Ok, d'accord, le troll quand même, mais. Non, mais bon. C'était juste pour rigoler. Je l'ai pas fait. Ah, mais oui, bah forcément. Ah, bah il le faut bien. Ah, c'est bon. Et voilà, parfait. En plus, il y a plus le encore là. Non, on change pas de Pokémon ici. On a dit. On dégomme. Et quand on dégomme, on dégomme. Par ici, ça dégomme là. Voilà. Bon appétit. Ah, je ne m'attendais pas à battre le rose fait... bouton aussi fort. Battre le rose bouton aussi fort. Ah, il est fort, le rose bouton. Fou là là. Ah, Craco, il monte bien. Il va bientôt dépasser Judith. Bravo, Ludivine. Je vois, tu sais bien t'occuper des Pokémon. Tu vois, tu l'as rendu triste en disant « Moi, je m'occupe mieux de... » Ouais, je suis désolé, je suis désolé. Oh là là, s'il n'y a pas un truc super ici. Potion, c'est beau. Un petit champi. C'est beau. Ouais, tout le monde trouve des trucs. Hein. Oh, il pique du nez. Oui, bah oui, c'est vrai en fait. T'as pas de sol à la recherche de quelque chose. Ah, ça veut dire qu'il y a un objet, c'est ça? A l'air de bien s'amuser. Ah bah oui, c'est bon, j'ai dégommé une... Oh, c'est un montagnard. Mais lui, il est gentil ou il est méchant? Bah, je pense qu'il est gentil. Bonjour, je prends dans mon jogging. Pokémon sauvage me poursuivit. J'étais si paniqué que j'ai fini comme une flèche. J'aurais pu courir sur l'eau tant j'étais rapide. Oh, bah, j'ai gagné un saut étoile B. Les statues sont partout, même dans mes rêves les plus fous. Preuve, s'il en faut, que je leur voue un amour inconditionnel. Ah, c'est beau ce que tu dis. Petite baie Frambi. Ah, ouais, ok. Moi, je trouve que quand même, Craco, il est fort parce que même s'il dort, il me suit. Oui, j'avoue. Bon. J'imagine qu'on va y aller en vélo. Ah oui. Ah mais oui, mais elle par contre... Bonjour, d'où viens-tu? Quel genre de Pokémon as-tu? Le genre de Pokémon qui te bat. Waouh. Et Daniel, là, t'as capturé tous les Pokémon du monde ou quoi, là? Oh, le saut. Et puis, ouais, mais quelle animation, mademoiselle Daniel. J'espère que vous avez un cap humain. Inconscient. Ah, oh mais oui, je vois qu'elle a plein de Pokémon. Inconscient. C'est pas ça le nom de sa capacité spéciale qui vous montre ses stats tout le temps? C'est inconscient en français? Non, c'est Benet qui a été changé en inconscient. D'accord, ok. Inconscient. Bah oui, mais non, bah non, là sinon je serais en train d'augmenter mes stats. Ce n'est pas le cas. C'est fort malheureux. Mais du coup, voilà, tu ne peux pas tomber amoureux. Parce que tu crois qu'Yves, elle a le temps de tomber amoureux. Non, pas le temps. Faut se battre. Elle est amoureuse du combat. Ah, je vois. Bon, par contre, elle a que des Clonotors, c'est un peu dommage quand même, non? Oh, lui, là, il est pas mort, là. Pourquoi? Elle entraîne ses Clonotors pour faire le super concours, bien sûr. Bah non, vu que c'est une fermière, peut-être qu'elle utilise les Clonotors pour faire des trous. Enfin, pas les trous, mais les... C'est elle qui entraîne les Clonotors sauvages qu'on recrute, en fait, ils sont pas sauvages. Ah, oui, c'est possible aussi, du coup. Peut-être qu'elle avait envoyé un Clonotor plus fort tout à l'heure. Oh bah lui, c'est bon, il meurt. C'est bon, le truc est normal, après, y a pas de souci. Encore un Clonotor, c'est toujours pas fini. C'est la dresseuse aux 1000 Clonotors. Alors, vous voyez la famille là, tu sais, avec oh, c'est ma grand-mère, machin, elle c'est ma mère, elle c'est ma tante, elle c'est. Ah oui! Ah oui, effectivement! C'est très probable. Tiens, que les Pokémon sont bien différents là d'où tu viens. Oh, bah nous, on a connu tous les types de Pokémon, voilà, c'est sympa. Oh, il y a des petits-enfants qui courent. Ah non, c'est pas des petits-enfants. C'est vrai? Oui. Tu peux pas leur parler du coup? Si, c'est pas. Des dresseurs. Ils font le combat si tu leur parles. Ah mais non, tu vas me dire que ce sont des amoureux en fait. Eh oui. C'est pas des petits-enfants, on dirait des petits-enfants, hein, c'est pour ça. Mais du coup ils sont... Tu veux te battre contre moi? D'accord, si je peux faire équipe avec mon beau Ted. Ted! Je pourrais éviter de déranger quand je suis avec ma jolie Anne. Ah ouais d'accord, ah oui c'est vrai, XD là. XD. Ah, effectivement, votre modèle 3D n'a pas vraiment un rapport avec votre petit chibi. Ah mais il est détruit ton Valfrey là, c'est bon, c'est fini. Non, je crois en lui, il va s'en sortir. Allez, un petit métronome quand même. Ah mais là vous l'avez cherché. Exuviation. Qu'est-ce
Qu'est-ce qu'il y a? Elle sort de sa coquille. Qu'est-ce qu'il y a? Il a brisé sa coquille. Ah, ouais. Regarde, tu vois, la paralysie, ça l'empêche pas d'être plus rapide. Oh bah... Donc, par contre, est-ce que ça va aller, par contre? Là, ça, c'est une autre question. Hein. Ça, par contre, maintenant, c'est une autre question. Avec la défense en moins, là, je sais pas. Je sais pas! Sachant qu'il a déjà perdu le point de vie et tout. Bon, après, on est au premier, j'arrête de troller. On va faire Vampiric. Au final, je sais même pas c'est quoi l'animation. Vampiric. Oh là là! Oh, mais ça va, il fait des attaques spéciales, c'est juste Meditica, tout va bien. Tout va bien. Un petit zoom sur moi, là, c'est bon. Petit zoom sur la madame qui va mourir. Vampiric. Et voilà. Voilà, un vent féerique. Vive exuviation, n'est-ce pas? Par contre, faut vraiment rattraper ton retard, Cliff, là. Tu rattrapes toujours pas alors que t'es devant. Quand Anne est là, je n'y ai Dieu que pour elle. Je suis désolé, Ted. Oh purée, donner plein d'argent. Oh l'argent, là. Oh l'argent. Oh, ça fait plaisir. Ah, j'avoue que du coup, on est en train de manquer un raccourci, là. Ah, on est arrivé à Bonville. Oui, mais c'est pour ça, je sais pas si tu veux faire la tour maintenant ou si tu veux te balader à Bonville. Oh, bon, on va se balader un peu à Bonville. Il y fait, oh, regarde, bon... voilà, c'est ici, c'est trop bien, là. Il y fait bon ici. Vivre à Bonville. Les Bekika. C'est quoi, ça? La dépêche Pokémon, on cherche des pros de la capture. Eh, mais ça, c'est pas genre, si j'y vais, c'est pas genre... Un... Ils vont te dire, est-ce que tu as un Pokémon? Oui, c'est ça, machin, genre... Salut, hein. Tu es là car tu as vu notre annonce sur le panneau, c'est ça? Mais tu as un Pokédex, ça veut dire que tu connais le professeur Sorbier, c'est un vrai pro pour dénicher les Pokémon, celui-là. Si tu fais confiance, j'imagine que moi aussi je peux compter sur toi. Je veux que tu m'amènes ma Machoke, il me faut aujourd'hui ou ma rubrique tombe à l'eau. N'oublie pas, j'ai dit aujourd'hui, pas demain. Ah, attendez. Eh, hey, j'avoue, peut-être que moi j'ai ce qu'il attendez faut. Je veux sortir de ça, je veux pas... J'espère qu'ils vont pas me demander un truc du genre Kyonotor, parce que sinon je pourrais pas. Parce que nous l'avons, bien sûr. Nous l'avons. Allez où? Oh, Meditica, c'est bon. Il fallait ranger tes boîtes, oui, je sais qu'il fallait ranger mes boîtes, mais... Possible, ça? Ah bah, elle est là! Voilà. Elle est là, effectivement. On l'a. Alors. Voilà. T'as trouvé le Pokémon dont j'ai besoin? Oh, mais c'est bien un Machoke ou un Meditica. Laisse-moi observer un peu. Oui, c'est parfait. J'ai écrit un article du tonnerre. Voilà ta récompense, c'était pas grand-chose encore, merci. Ah, des Rapid Balls, quand même! Des Chrono Balls! Ouais, c'est bien, les deux. Hein. Moi, j'aime bien les Chrono Balls, en vrai. C'est normal, j'ai la version du temps. Nous ne sommes pas beaucoup à travailler pour ce journal, mais je peux enfin dire que nous avons énormément de lecteurs à Sinnoh. Ah, bien joué. Tu sais qu'à droite, il y a des ruines. Oui. C'est pour s'amuser. Attends, hein. D'abord, il faut que j'aille dans le centre Pokémon. Ah, mais ici, c'est l'éleveur. Oui, c'est ici qu'on a la pension. Oui, la pension. Attends, là, ce bonhomme, il est bizarre. Qui, le monsieur bizarre? Bah, je sais pas, lui, là. Oh, bah oui, bah lui, c'est quoi, ça? Non, mais oh, j'ai lu dans un article que les Pokémon grandissaient tous à leur rythme. Oui. D'accord, il a rien de spécial, ce monsieur, en fait. J'espère. On dirait le docteur Willy, mais à part ça, ça va. Hein. Ça y est, Krako est réveillé. Il me faut une invention pour battre ce Megaman. Ah mais oui, c'est vrai que j'ai ma choupette sur moi, du coup, faut que je la range. Oh, merci pour l'application historique Pokémon. Mais non. Oh là là, c'est difficile de ranger les Pokémon, par contre. Alors, application Pokémon, historique. Des Pokémon que tu as obtenu au cours de ton aventure, ça sert à rien. Bah... Oui. Attends, pardon, bondis de joie, mais non. Elle est beaucoup trop heureuse. Tu m'aimes toujours pas, j'imagine. Tiens, il y a quoi dans cette maison? Non, bah non. Attends, c'est quoi, là? Historique Pokémon. Mais non, ça va vraiment montrer les derniers... Voilà, ah c'est oui, ça. D'accord, voilà, ok, ceux qu'on a obtenus, d'accord. Ponyta légende avec ses ailes, incroyable. On trouve des œufs de la garderie, personne ne sait d'où ils viennent. Tu crois que quelqu'un les dépose? Personne n'a jamais vu de Pokémon pondre un œuf. On n'a donc toujours pas réussi à prouver qu'ils étaient ovipares. Ah d'accord, ok. Donc comme ça, vous êtes... Ah bah oui, t'es rentré dans cette liste. Je vois. Bon, allez, on va parler à lui, là. Avant, il n'y avait rien ici, à part une route qui traversait la plaine. Au fil du temps, les Pokémon, les êtres humains sont installés ici, ont fondé la ville. Bien le bonjour, jeune dresseuse. Tu cherches une arène? Malheureusement, il n'y en a pas ici. Va plutôt à Voilaroque ou à Verchamps. Ah oui, d'accord. Et là, il y a une maison cachée. Ah, y a pas qu'une maison cachée, ça, en fait. C'est bon air frais, requinte que même le Pokémon, c'est pour ça que je suis dehors. Ah, j'ai pas pris le bon chemin, du coup je pourrais pas visiter la maison. Y avait une maison? Oui, celle-ci. J'ai pas pu la visiter. Bah, je la visite, moi, si tu veux. Tu peux aller parler à la Gentina. Oh, y a... attends, y a la Team Galaxy. Ah, oh, dommage, j'ai raté le programme.
Il y a toujours eu beaucoup de vent par ici. On raconte qu'il y a de grandes fermes. Je sais pas pourquoi j'ai dit vent alors que c'était écrit Pokémon. Hein, moi mais... je me disais aussi. Pokémon est modeste. Sais-tu que la nature d'un Pokémon influence son développement? Bah non, évidemment, ça influence pas du tout son développement. Qu'est-ce que vous racontez? Mon fils adore les ruines à côté de chez nous. Ça t'ennuierait de lui montrer les Pokémon qui y vivent? Je sais pas pourquoi elle dit ça. Bah elle veut dire que ça influence le fait que lui, il sera comme ça au niveau de ses stats par rapport à l'autre. Oui, oui, mais ça veut pas dire qu'il va... Enfin, oh non, c'est pas le bon chemin du tout. Non, mais on est bloqué là ou quoi? Non, c'est bon. Ah non, oui, non, c'est okay. Pas bon. Attends, quoi? Comme tu dis? Ça ne se voit pas trop, mais en réalité, on peut passer, en fait, là, il y a... Ah, je vois, c'est je fourbe vois. Un peu, mais... voilà, on peut passer. On voit pas assez au-dessus. Ouais, vu que contrairement au jeu d'origine, on n'est pas en vue de dessus, vraiment. Bah, ici, normalement, avant, c'était une caverne de Zarbi. Mais bon, j'imagine que c'est toujours le cas. Mais... Et selon les salles dans lesquelles on est, il y a plus ou moins des... Enfin, c'est genre là, genre peut-être qu'ici, oh. c'est genre ici, il y a des... ouais, voilà, il y a des... Un Zarbi sauvage apparaît. Il y a des Zarbi F, il y a des Zarbi A, des Zarbi B. Enfin, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Mais il y a vraiment une atmosphère étrange dans ces ruines, tu ne trouves pas? Elle m'intrigue tellement que je viens régulièrement ici. Au fait, tu devrais passer me voir chez moi plus tard. Je te donnerai une capsule ball sur laquelle tu pourras coller des sauts. Et voilà, ça dépend. En fait, selon l'endroit, selon la salle dans laquelle on est, on n'a pas les mêmes Zarbi. Ah mince, c'est un dresseur. Ah bah d'accord. Bon, attends, on va aller le battre avant, là, quand même. Cet endroit est rempli de Zarbi. Il doit y avoir une raison à cela. Ça m'énerve de ne pas la connaître, alors je vais me battre. Bah d'accord, désolé. Étant. Ruinophile. Avec un racaillou en plus, t'aurais pu avoir un Zarbi au moins. Mais oui, ça aurait été rigolo. Ça aurait pu être un... Non, mot. J'espère que tu vas remplir ta boîte de Zarbi avec les 26 lettres, plus point d'exclamation et point d'interrogation. Je le faisais avant, je le faisais. Moi je sais que je l'avais commencé et j'ai eu la flemme de le terminer. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une boîte de Zarbi. Oh, oh, c'est ton Pokémon celui-là. Mince, du coup j'aurais dû switcher parce que là, Nova. Oh lui, on va faire Métronome dessus, c'est bon. C'est bon. Le combat il va durer 4 ans et demi, mais c'est pas grave. Lequel non, de mais nous moi deux, aussi. Lequel de nous deux va finir en premier? Moi qui va faire des âneries avec Métronome ou toi qui fait des attaques dessus mais qui lui fait deux? Attends, peut-être que tu ferais une confusion. Ah, je l'ai flatté d'abord. Allez, hop. Bravo! En fait, on fait un combat de choc mental. Ah mince, du coup, il fait choc mental. Oui. Du coup, il va me faire mal. Bon, allez, Nova! Ah, ça y est, j'ai infligé mes premiers dégâts. Mais non! C'est bon. Il t'a fait confusion? Oui! Oh là 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 là. Allez, c'est pas grave. Tombe roche! La bonne attaque, là, regardez-moi ça, c'est beau! Oh, bah du coup t'as changé, on était en train de faire le duel de vitesse là. Ah oui, non mais la confusion ça allait trop me ralentir alors j'ai abandonné. Moi j'abandonne pas. C'est bien. Fil toxique. Quel dommage. Ah bah si ça marche, c'est quoi ça encore? La vitesse, ah, d'accord. J'imagine que c'est une sécrétion qui empoisonne mais que... Ça marche pas. Ah, il a triché lui aussi. On est en double confusion là. On est en double confusion. Quel dommage. Il m'a toujours pas attaqué, hein, du coup. Oh non, Sylph! Allez! Ah, mais il a aussi représailles! Pourquoi il a jamais fait représailles sur mon Jirachi? Parce que choc mental, c'est bien mieux. Mais il voulait. Allez, juste... allez! Là, on veut feu ultime! Mais non, pas lance-soleil. Mais pas lance-soleil. Arkéomir n'est plus confus. Mais dis donc, sa confusion elle a duré plus longtemps que la mienne. Mais non. Oh, la malchance, là. Oh, il est incroyable ce combat, digne d'une tour combat, là. La malchance. Je préfère se donner des coups de poing lui-même, là. Arrête de donner des coups de poing, bon sang. Bon, allez, voilà. Nouvelle attaque, attention. Ah, enfin. Oh, pas et mal. Brûlé. Oh, même pas. Ah bah enfin, lui aussi, là, il se décide de enfin attaquer, là, voilà, maintenant ça rigole moins. Mais attends, c'est pas du tout les mêmes attaques qu'il m'avait fait. Si? Non? Bah en fait, il a fait que choc mental. Il t'a jamais fait, en fait. Oui, choc mental et confusion. C'est
pour ça qu'il y avait autant de différences. Allez, allez, Vendetta, voilà. Paf, le coup de poing qui le tue. Ah, il le tue quand même, ça. C'est-à-dire qu'il le tue pas, mais... Bon, c'était un combat beaucoup trop long pour ce que c'était. Alors, on va envoyer... toujours en Leaf, hein, toujours en retard. Elle veut pas rattraper les autres, je crois. Déjà, elle veut pas m'aimer, elle veut pas rattraper les autres. Tout ce qu'elle veut, elle... Mais elle me sourit tout le temps. Elle est très heureuse quand même d'être avec moi. Mais pas vraiment. C'est compliqué, on va dire. C'est vrai que je réorganise mes attaques aussi, parce que c'est pénible d'aller tout en bas pour faire un falpsy. Bien joué, Valfrey. Je suis encore plus en colère à cause de ma défaite. Moi, je te propose de quitter cette caverne, parce que... Oui. Quand même, c'est... Visiblement, les gens ne sont guère sympathiques par ici. Donc, du coup... Bah, avant d'arrêter définitivement... J'ai quand même envie de voir ce qu'il y a de ce côté où on n'a pas été. Ah! Compliqué. On parle de là. Hein. Oh, il y a un dresseur avec son étourvol. Il y a forcément quelque chose au sommet de la tour perdue. J'aimerais y aller, mais j'ai trop peur. Oh, faut pas avoir peur. Attends, il faut faire un truc de l'enfer, genre... Wouh! Voilà. Bon, attends, est-ce que tout ça pour une dose de calcium. Ok. Ouais, c'est bien. Oh, bah en fait, non, il n'y a pas besoin de prendre de l'élan. Peut-être qu'avant il fallait, je ne sais pas. Ah non, Castorno, c'est bien moins amusant. Oh ! Ok, je sais pas pourquoi on fait une pause, mais... C'est parce que t'as trouvé un Pokémon fort. Mais on était terminés, hein ! Ah là, franchement, on était terminés ! C'est beau ! Mais attends. Ah, effectivement ! Quand même ! Il reste des surprises. C'est une attaque pour ton armure. Oui, le fameux. Ah bah on prend. Mais j'avoue, vous battez vous. Ah oui. Très bien. Mais du coup, il marche dans le vide. Ouf, pardon, désolé. Incroyable. Bon, eh bien, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, à Bonville, la ville qui a du bon. Je suis Papy Garderie. Ah, c'est mignon comme nom. On va voir ma femme si tu veux nous confier des Pokémon. Ça va, ça va. Bon, bien, voilà. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. C'est incroyable ce qui se passe en ce moment. Ah oui, non, mais... Et on se retrouve pour la partie suivante. Au revoir tout le monde. Salut.